Allez hop! Oh non! Je vais être en retard pour le travail. Je devrais aller à ma voiture maintenant. Ok, donc le jeu est en anglais. C'est parti. Putain, c'est beau. Il est beau. Alors. Faut que j'aille au travail. Eh ben, très bien. Putain, il est sain. Oh, putain, il est petit l'appartement par contre. Hein. Allons, on se casse. Ah, j'adore retrouver cette ambiance. À la Chillaz Art. Il n'y a vraiment que ce jeu qui a une patte comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu plus beau que les autres, non? Il a l'air un peu plus soigné graphiquement que les autres qu'on a fait. Pourtant, il date un peu. Bon, eh ben, faut qu'on aille à notre voiture. Pour aller au travail. C'est quoi ce bruit? Le téléphone de quelqu'un. C'est à qui ce téléphone? On a chopé un téléphone à terre, c'est pas à nous. Étrange. Bon, faut qu'on trouve notre voiture. Allez là. Oh, bien monsieur. C'est dingue comme dans les jeux de Chillaz Art, t'as peur de tout le monde. Tu croises un humain, il te fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi. Oh la gueule. Est-ce que tu cherches quelque chose? Je crois que je l'ai trouvé. Donne-le-moi. Ah, c'était son téléphone à lui. Ok, je prends ma voiture. Oh. Oulolo. Allez, on va travailler. On est arrivé? Ah, on est arrivé! Alors du coup... Ah, c'est ça, regardez, c'est le même resto que dans Parasocial. Regardez, c'est celui-là. Vous vous souvenez? On avait pris notre commande ici, et on s'était installé là. On s'était installé ici. Là-bas, il y avait le mec chelou, à capuche, qui était là. Et on était assis ici, là. Vous vous souvenez? Ben voilà. Du coup, on bosse là, c'est marrant. Alors, les chiottes, ok. Hop. Put away my stuff and talk to senpai. Bonsoir, mademoiselle. Ah, vous êtes ma collègue. Alors, attendez. Faut que je mette mes affaires ici. Voilà, je mets mon téléphone et mes clés. Et je dois te parler. Désolé, je suis en retard. Sois prudente la prochaine fois ou je vais le dire au manager. Pas commode, elle. Je suis vraiment désolé. Je ferai attention. Faire attention n'est pas assez. Dis-moi que tu ne seras plus en retard. Est-ce que tu comprends? Oui, je serai plus en retard, vous inquiétez pas. Tu as aussi oublié des commandes, non? Si tu as des problèmes avec la commande, et il y a un tuto derrière toi, ok. Je vais regarder. Oh, et une dernière chose. Laisse bien ton téléphone dans le casier, c'est ce qu'on vient de faire. Tu ne dois envoyer aucun message à personne pendant que tu bosses. Yes, sir. Ok, donc le téléphone a été mis. Et du coup, ici, de ce que j'ai su, c'est là qu'on va apprendre les comment on appelle ça? Les commandes. Bon bah c'est bon les crozins, je suis rodé moi. Let's go. Hein. Allez hop. Premier client, si vous... Oh là, il est déjà là. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous avez dit Chillaz Coffee? Je ne suis jamais venu ici avant.
C'est bizarre, il y a quelque chose d'étrange à propos de cet endroit. Ma fille semble être fan de cet endroit, et maintenant que je suis là, je sais pas. Bon, je vais passer une commande. Et je vais en prendre deux. Est-ce que vous voulez juste un café et un latte ? Oh, ça sera très bien. C'est vraiment inconfortable ici. Il est bizarre lui, c'est confortable de fou, non ? C'est propre, ça sent bon. Ok. Alors, de ce que j'ai compris, les crosses dans ce jeu, faut prendre le ticket qui est ici. Voilà. Donc là, il y a deux tickets, vu qu'on a deux commandes. Les deux tickets sont là. On a un café à faire et un latte. Donc le café, c'est très simple. Nous allons prendre une tasse à café. On va mettre le café ici. Hop. On va poser ça là. On va prendre un couvercle blanc. Et voilà. Il a eu son café. Maintenant, le latte. Alors pour le latte, on doit aller voir le tableau. Voilà. Latte, c'est coffee and steamed milk. Donc café et lait mixé. Donc pour ça, je vais reprendre un café. Je vais prendre ça, que je vais mettre là. Je prends le lait, je mets dedans. Vous avez vu, je me suis entraîné avant quand même. Comme ça, au moins, on galère pas. Je passe pas 3 heures à comprendre les trucs. Là, au moins, je suis déjà, j'ai déjà fait mon stage. Donc hop, le lait et on le met là-dedans. Voilà, c'est bon. Hop, on prend le petit truc, on le met là. Tenez monsieur, voilà votre latte. Votre latte. Voilà, très bien. Bonne soirée, bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Par contre, dites plus jamais que mon resto il fait peur. Foiré, va. J'avais pas mis le lait. Ah, j'avais oublié le lait, ok. Et de un client. Un. Salut Miss Mimi. Un client, les crozes. Ça, c'est bon, ça. Ah, elle est partie, ma collègue. Elle est partie où, elle? Elle s'est barrée, la collègue. Ah, nouvelle cliente. Ça va, elle a une bonne tête. Est-ce que vous avez entendu les nouvelles? J'ai... Il y a eu un cas de stalker. Et est-ce que ce serait pas l'affaire de Parasocial? Est-ce que vous avez entendu les news récemment? Il y a eu une affaire de stalker. Les crocs, c'est totalement Parasocial? Avec la streameuse? C'est un truc de ouf! Putain, tous les jeux sont connectés! Lyon, le jeu en fait, c'est... On incarne une serveuse de café. Et on va avoir affaire à un psychopathe qui va débarquer sûrement dans le magasin, nous faire peur, couper l'électricité, essayer de nous tuer, enfin comme d'hab quoi. Pour l'instant c'est chill, mais je crois que ça va vite partir en couille. Putain c'est ouf! Tous les jeux sont connectés. C'est vraiment flippant. Une femme comme moi, vous voyez, j'ai besoin de faire attention. Ah c'est ça? C'était la femme dans Parasocial? Tous les hommes me viennent me voir. Je dois faire très attention. Alors, elle va prendre un Dark Mocha Chip Chilapuccino, please. Oh putain, ça a l'air compliqué. Oh, ça a l'air compliqué. Alors, attends. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Un Chocolate Chip Chilapuccino? C'est quoi cette merde? De rien, Lyon. Ouais, c'est un jeu d'horreur, Sombre Pinant. C'est toujours comme ça avec les jeux de ces développeurs. Ça commence toujours très calmement. On nous impose une routine à faire. Donc comme là, c'est faire des cafés. Ça nous met dans l'ambiance. Et après, tout part en couille. C'est toujours pareil. Hein. Putain, chocolat, chips, chila, cappuccino. On va voir ce qu'il faut là-dedans. C'est où? C'est là. Alors, il faut... De la glace pilée, du café, du lait, la sauce chocolat et de la poudre de cacao.
Ok, ça devrait le faire. Donc faut que je prenne une tasse froide. De la glace pilée. On voit que j'ai fait un stage avant. Hein. Je suis déjà chaud. Hein. Hop, glace pilée, ok. Donc là, on a le café. On va mettre le lait dedans. Ok, ensuite, il faut la sauce chocolat. Très bien. Et la poudre. C'était cacao, la poudre ? Je crois que c'était cacao. Ok. Hop, et on va mettre les glaçons dedans. Et logiquement, nous avons un magnifique chocolat mes couilles. Hop, prends ta merde. Ah, c'est bon. Putain, du premier coup. Oh, je suis chaud. Ok, elle s'est installée là-bas. Elle s'est installée là-bas, la fille. Il y a une autre personne qui arrive. Oh là, ils sont deux. Ah non, ils sont trois. Oui. Attends, quoi? Ils viennent en meute, là? Oh. C'est les... Putain, comment on appelle ça, les... Putain, j'ai oublié le mot. Salut, Tayla. Tu viendras me voir dans mon resto, Dono? Eh ben, ce sera café gratos pour toi. Ouais, putain, attends, c'est les... C'est... Comment, la K-pop, là? C'est un groupe de K-pop, ça, non? On dirait des lycéens. Des lycéens de 40 ans, alors. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, messieurs, là? Putain, les crosses, il va y avoir 4 commandes à faire. Je vais prendre un gâteau matcha, s'il te plaît. Arrête de me pousser. Un caramel mocha salé. Un matcha papuchulino. Les crosses, il y a trop de commandes, là, c'est le bordel. Un gâteau pumpkin, ok. Je crois que j'ai faim aussi. Un hot coca. Oui, attends, il demande trop de choses là. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Eux, ils ont l'air un peu étranges quand même. Les Bee Gees là. Ils sont en train de se prendre la tête. La vidéo de Toshi sur Emily Wants to Play 2015-2016. Oh oui, ça date, hein. Ça date, hein, Emily Wants to Play. Non, il n'y a pas de temps limite pour préparer les commandes. Heureusement. Ce serait la merde sinon. Bon. Allez, les gars. Donnez-moi vos commandes là, j'ai pas que ça à branler. Oh là, la fille elle part. Au revoir, madame. Bonne nuit. Il y a trop de choses. Ok, c'est parti. Oh putain. Alors attendez. Attendez, parce que là, je crois qu'on a au moins 6 commandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 commandes. Ok, c'est parfait. Messieurs, bonne soirée à vous. Bonne dégustation, au plaisir de vous revoir. J'attends votre disque d'or K-pop, hein. Vous me l'envoyez, hein. Bon bah c'est bon les crozes. C'est marrant comme jeu, ça fait pas du tout peur pour l'instant. Ça nous met juste dans une ambiance un peu comment, simulation de service de café quoi. Pour l'instant on est bien. C'est une journée plutôt normale. Ah, un autre client. Alors est-ce qu'il est louche lui? J'ai testé la caisse pendant 2 mois cette année, le stress total. Quelle caisse? Ah, la caisse. Ah oui, l'encaissement. Putain, ok. Bonsoir, monsieur. Voici ma commande. Qu'est-ce qu'il va me dire? Hey.
Je suis un quoi? Un investigateur privé? Un détective privé? Attendez, ça commence là. Est-ce que... Ah, c'est peut-être un détective privé qui arrive après l'histoire de Parasocial. Qui enquête sur le... Est-ce que vous avez vu des choses suspectes dans la zone? Bah non, franchement, tout se passe bien pour l'instant. Bah, vu le temps que je mets à faire les cafés, Romy, je crois que c'est minimum 40 balles, là. Pour que ce soit rentable. Il y a eu de nombreuses plaintes de gens qui ont été attaqués. Je voulais juste savoir si vous aviez vu quelque chose dans le magasin. On n'a rien vu, les croisins. Tout est normal. Appelez-moi si quelque chose arrive. Essayez de fermer le magasin plus tôt si vous ne voulez pas avoir de problème. Ok, détective, je prends note de vos instructions. Ok, donc il me dit de fermer le magasin plus tôt pour éviter d'avoir des soucis. Oh putain, ça y est, c'est fini. Sweep the floor 0 sur 5. Ah, faut que je nettoie le sol. C'est là. Ici. Ok, Cross, on a fini notre journée de boulot. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est nettoyer et on va vite partir d'ici. Hein. D'ailleurs, je vais fermer la porte, là. Hop, on est fermé, les gars. Putain, mais les gens sont crasseux, regardez-moi ça. Ils savent pas boire, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible de salir autant un resto. Y'a aucun respect pour les lieux, hein. C'est une dinguerie. Attends, je suis sûr que dans les chiottes, y a plein de merde sur les murs, attends. Oh! Ah non, c'est clean. Oh putain! J'ai jamais vu des toilettes aussi propres dans un restaurant. Ok, ici. Allez, dernière tâche et on se casse! Oh merde. Coupure de courant. Restez calme, les grosses, tout va bien. Je gère la situation. Oh merde. Oh merde, putain, le détective, il avait raison. Fallait que je parte vite. Il n'y a plus d'électricité. C'est bon, je l'ai remise. Attends, ça voudrait dire que quelqu'un est venu... Quelqu'un est venu ici pour couper l'électricité? Ok, faut que je range le lait. Oulala, attendez là. Oh là là, la coupure d'électricité bizarre. C'est vrai, Jules. Je suis pas un exemple. Hein. C'est vrai que quand je pisse dans un jeu, j'en fous partout. C'est... Comme ça. Bon, je crois que les embrouilles vont pas tarder à arriver. Hein. Je crois que notre journée de travail, elle est finie là. Ouais, c'est ça, on est rentré chez nous, très bien. Bon. On n'a pas de chat, tiens. Putain, je vois trop un chat ici, moi. Ça manque de chats dans cet appart. Ok, deuxième jour de travail. Ah, putain, est-ce qu'on va recroiser l'autre taré, là? Vous vous souvenez? Le premier jour? En allant à notre voiture? Il y avait l'autre zinzin, là, en bas, qui avait perdu son téléphone. Nos animaux préférés. Voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans chat? Un baby cat, putain, les crouses. Prenez des chats, je vous jure, c'est incroyable. Attendez, parce que est-ce qu'il sera encore là, l'autre? Ça me fait peur, là. Pour moi, le seul suspect qu'on a vu, là, depuis le début du jeu, c'est le gars à la voiture, là, qui avait perdu son téléphone. Lui, il avait vraiment une tête chelou. C'est quoi ça? Nono! Bienvenue Nono! Il est plus là le mec, hein. Il est plus là. Il a disparu. Bon, en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire.
S'il serait encore là, ce serait très inquiétant. Donc, pourquoi est-ce que les Mexicains mangent-ils aux toilettes? Parce qu'ils aiment manger épicé. Épicé! Non, mais alors là, Nono, t'arrives sur le live et tu balances cette vanne. Mais c'est incroyable. Mais c'est l'élite de la nation là. Excellent! Excellent! Allez, on va bosser. Ah, Nono, elle arrive, ça y est, elle se fait respecter quoi. C'est une dinguerie. Hein. Bon, bah deuxième jour du coup, let's go. Bon, on refait exactement comme hier. T'es qui toi? Ah, c'est notre collègue, ok. Eh, sérieusement? T'es encore en retard? T'as des problèmes de sommeil? Je suis tellement désolé. Non, non, ne sois pas désolé. Je ne veux pas que tu sois en retard. C'est la deuxième fois. Je suis désolé. Un peu plus d'enthousiaste pourrait nous aider, tu crois pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère de mettre un réveil ou de te réveiller? Ah, t'es un garçon, Nono, désolé, putain. C'est parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Nono et c'est une fille. Voilà, c'est pour ça que mon cerveau a. Mon cerveau, il s'est dit que t'étais une fille. Mais t'es un mec, ok. Ouais, donc, us. Ok, donc ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Allez, casse-toi. Tu me casses les couilles, toi. Faut le virer, lui, hein. Il est trop à l'heure, ce mec. Faut le virer. Ok, on va mettre les affaires dans le casier. Donc, comme hier. Et c'est parti! Je joue à The Closing Shift. C'est un jeu d'horreur. Bonsoir monsieur. Voici mon nom, ma commande. Ok. Ah, oh, il y en a deux? Trois? Quatre? Non monsieur. Quatre. Quatre commandes pour vous tout seul. J'ai la flemme. T'imagines? T'imagines le gars en face de toi et te dit oh, j'ai la flemme de vous servir. Merci beaucoup. Ah! Hey girl! Oh non, 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 ça a pas commencé. Non, pas un pervers, les gars. Un pervers gourmand. On aura tout vu. Hey girl! Merci beaucoup. Tu as l'air impressionné. Par contre, regardez sa voiture derrière. C'est une camionnette. On sait que les gens qui ont des camionnettes, faut se méfier. Hein. C'est sa camionnette en noir derrière là. Tu as l'air impressionné. Tu n'as pas besoin de Nyong'o Jozumi? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, je vis ici depuis au moins 15 ans. Hey girl. Quelque chose ne va pas à propos de cet endroit. Mauvais bail les camionnettes de fou. Quelque chose à propos de ce magasin ne va pas? Enfin, de ce restaurant? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Peut-être à cause du gars là-bas? Quoi quoi, y a un mec? Y a personne gros, qu'est-ce que tu racontes? Je pense juste que c'est mon imagination. What? Il se fait tard, je crois que je vais y aller. Ouais, casse-toi, ouais. Attends, attends, attends. Par contre, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un là-bas. Les Crozes. Il m'a dit cet endroit est bizarre à cause de la personne qui est là-bas. Et il a regardé par là. Oh. Attends, c'est lui? Putain, je crois que c'est le mec qu'on lui a donné le téléphone au début du jeu. Me casse! Salut! Je m'enferme. Non, 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 non. C'est le psychopathe du début.
Je vais prendre mon balai au cas où. Faut que je me défende. Hein. Oh, c'est lui. Attendez, c'est lui. Non, c'est pas lui. Attendez, pourquoi il a une capuche? T'es un méchant ou t'es pas un méchant? Attention, j'ai un balai. Hein. Merde, je peux pas lui parler. Ah merde, faut que je remette le balai, je crois. Merde! Pourquoi je peux pas lui parler? Ah oui, d'accord, il a passé la commande. Il nous a rien dit. Hein. 3 commandes pour ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vanilla, milk. Ok, 2 lait et vanilla. On va te faire ça, mec. Reste calme. Hein. J'aime pas lui tourner le dos à lui, je sais pas pourquoi. Milk. Du lait pour ce monsieur. Reste tranquille, gros. Hein. Ok, 2-1. Je t'en fais un deuxième, du coup. Hop. Il aime le lait, ce monsieur. Ok, et tu veux un vanilla chila puccino. Vanilla... Alors, glace... Lait, sirop de vanille et poudre de vanille, ok. Hop, de la glace, là-dedans. Vous êtes sage, hein, c'est bien. J'apprécie votre sagesse. Ok, et ici, du coup, il nous a dit sirop de vanille... Elle est où? Elle est là. Ok, et ici, il faut la poudre de vanille. Voilà. Oula, je sens qu'il va nous sortir une dinguerie, lui. Ok, c'est bon. Voici. Ah non, il va s'installer. Il a rien dit. Vous imaginez, c'est le mec de parasocial? Tout le monde est suspect. Il m'a l'air suspect, ce mec, mais je pense que c'est pour faire stresser. Ouais, c'est peut-être une fausse piste, hein. Peut-être qu'il est totalement... normal. Bon. Ah, bonsoir. Oh, gentil, lui. Oh, j'aime bien. Une bonne bouille. Ah, oh, attends, il part, l'autre. Il part. Bonne soirée, monsieur. Il était rapide. Hein. Par contre, il va se calmer, lui. Pourquoi il me dit ça direct? Il me dit même pas bonjour, genre, t'es joli. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Frérot, bonjour, non? Est-ce que tu veux juste commander quelque chose? Ton cœur. Il veut commander mon cœur, les crocs. C'est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Je pense que je vais prendre une de vos recommandations. Ah, c'est un gros beauf, lui. Hein. Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Calme-toi, gros. Ok, la recommandation, c'est le double chocolat chilapino. Ok, je vois. Quel est ton numéro? Frère, t'es lourd, là. Je suis beau, non? Je suis quelqu'un de connu, ici. J'en ai rien à foutre, mec. Maintenant, c'est ta chance. Juste contacte-moi, ok? Alors... Soit on fait la commande, soit on lui donne un faux numéro. On va lui donner un faux numéro, tiens, pour le faire espérer. Merci, je vais vraiment t'appeler. Waouh, il est bizarre, lui. Ah, il a qu'une commande, ça c'est cool. Caramel Machato. Il est bizarre, non? On dirait un mannequin. Oh, le connard. C'est quoi cette technique de drague? Le drague de beauf. Il va se calmer, le gamin. «
Ouais, il est bizarre. Alors, il veut quoi? Un caramel macchiato. Café, lait, écrémé, caramel sirop, caramel sauce. Ça monte en tension le jeu, les crocs, ça monte en tension. Un café, ok. Hop. Et du coup, il lui faut du caramel. Caramel sauce. Et caramel sirop. Ok, ça devrait être bon. Tiens, connard. C'est bon. Oh, il s'assoit juste devant mon comptoir. Ok, très bien. Il a déjà fini? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui branle? Pourquoi il m'a regardé comme ça? C'est sa voiture, ça? Ouais. Allez, casse-toi, gros. Oh, il était bizarre, lui, hein. Ah, j'ai fini! Take out trash and bus table. Ah, faut que je prenne un ramasse-poussière, peut-être. Bon, la journée. Ah, ok, faut que je mette ça dans le... Faut que je mette ça dehors. Oh, putain. Ah là 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 là, j'espère qu'il y aura personne. Et allez, une camionnette! Qu'est-ce qu'elle fout là, cette putain de camionnette sur mon parking? Non, mais sérieux, il y a toujours des camionnettes, les crocs. Hein. Pourquoi il y a une camionnette, là? Il y a rien ici, en plus. Oh, fais chier. Les crocs, je le sens pas du tout. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi ces trucs-là, sérieux? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Merde, comment on ramasse les... Oh, 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 attends, attends, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, ça? Il y a une photo, il y a quelqu'un qui a laissé une photo sur le comptoir. Une photo de moi en train de bosser. What? Il y a quelqu'un qui m'a pris en photo de l'extérieur. Il est où, ce connard? La camionnette, elle a disparu? La camionnette a disparu. Okay. Alors, pour vous, le premier suspect, c'est qui, les crocs? Parce que là, il y a clairement quelqu'un qui nous veut pas du bien. Vous croyez que c'est qui? Dans tous ceux qu'on a vus. Il y en a forcément un qui est dans le lot. Hein. Alors attends, il faut que je nettoie les tables, mais je sais pas avec quoi. Ah, avec la serviette sûrement, ok. Ça me paraît logique. Ah, c'est ça. Qui est le suspect numéro 1? Moi, je dis que c'est le beau gosse. Ah, quoique le mec à capuche, il est chelou aussi. Hein. C'est soit le mec à capuche, soit le beau gosse. Ouais, je suis d'accord, Dono. 100%, je pense comme vous. Ok, c'est bon. Troisième jour. Le jeu vous plaît pour l'instant? Je crois que, je vais pas vous mentir, hein,
il est pas loin d'être numéro 1 sur les 4 là. J'adore en fait ce jeu là, c'est immersion totale. C'était immergé dans le jeu quoi, il t'immerge totalement. J'aime beaucoup. Attention, attention, parce qu'il y a peut-être l'autre taré là. Toshi, il est pas BG du tout. Bah merci, Jules. Je suis pas BG. Jules, il est méchant. Putain! Qu'est-ce que tu fous, toi, avec ta poussette de merde, là? Vas-y, elle fait chier, elle m'a fait peur, là. Promener un bébé de... En pleine nuit. Salope. Elle m'a fait peur, putain! Ouais, je sais, Jules, t'inquiète. Attends, 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 pourquoi elle est là, elle? Elle m'a fait peur. Ok. Regarde où tu vas! Mon dieu, c'est jeune de nos jours. Mais je t'emmerde! Ton bébé, il est moche en plus, comme toi. Telle mère, tel fils, hein. Trop chelou, elle, putain. Elle m'a fait trop peur. Suspect numéro 1, le bébé. Suspect numéro 1, le bébé. Bah, je suis d'accord, hein. Non, mais c'est lui, hein. C'était lui en camionnette, non? Eh! C'était lui en camionnette. C'est lui qui nous a pris en photo, ce bâtard. Ouais, tu peux me regarder, hein. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. C'est un faux bébé. Ah putain, je te jure. Bon allez, on va bosser. L'autre, il est pas là. Oh, 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 oh. Attends, ça serait pas la camionnette de... Attendez, 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 attendez. Me dites pas que c'est la camionnette du parking. Les crosses, elle y ressemble fortement, non? C'est elle ou pas? On dirait oui. On dirait la camionnette de qu'on a vue juste tout à l'heure. Bon. Eh ben ça craint. C'est-à-dire que le pervers, il sait où j'habite, c'est ça? Toshi, merci pour ce sublime clip, ça va rester dans les annales. Bah, oh putain, si, regardez, regardez, il nous observe. Si. Regarde, il se cache derrière sa camionnette. Donc il sait où j'habite et il me suit au travail. Bordel de merde. Ah t'es là. Je suis à l'heure là, non? Aujourd'hui est ta première fermeture. J'ai une question, est-ce que tu as vu des gens bizarres venir? Concentre-toi sur ton travail, t'inquiète pas, c'est pas grave. Actuellement, j'ai peur de me faire suivre. Ok. Je crois qu'il s'en fout un peu. Il s'en tape un peu. Il va où? Attendez, il est parti. Ah, il part. Ok. Notre collègue part. Très bien. Bon, allez, je prends le relais. Troisième jour de taf. Bah c'est parti. Ah oui, il faut que je mette mes affaires dans le casier. Hop, ok. Troisième jour, les crozes. Oh là là, elle est... Ah oui. Ça c'est des... Des lycéennes, non? Les filles, faut faire attention de nos jours, hein. Faut pas se promener à trois comme ça en petite jupe, hein. Y'a plein de rôdeurs autour. Faites gaffe. Non, on fait jamais d'ouverture, que les fermetures.
Alors, qu'est-ce que vous voulez, mesdames? Est-ce que je peux te prendre un macchiato? Oui, aucun problème. Je vais prendre un cinnamon roll, churros et une... Un café. Attends, mais la meuf, elle a pris... Tu vas devenir tellement grosse. Écoute ta pote, hein. Là, t'as pris 3 pâtisseries. Écoute ta pote, hein. Vous payez séparément. On va payer ensemble. Ok. I'll be fine. Nanana 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 nanana. Ok, café chaud. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 commandes. Oh, on a encore la photo. On la jette, la photo, non? On la jette. On a acheté la photo. Alors. Ouais, c'est bon. Let's go. Ah, elles se sont mises là. Trop mignon. Oula, attends, il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui, lui? On l'a déjà vu ou pas? C'est qui ce mec là? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur? Qu'est-ce qu'il branle? Oula, attends, on fait gaffe parce que là, il y a 3 filles. Il y a... En fait, là, ce qui me stresse, les crocs, c'est qu'il y a 3 filles innocentes, sans sécurité, sans rien. Elles sont là. À tout moment, il y a un gars chelou qui arrive comme lui. Et il se passe une dinguerie, non? Moi, c'est plus les 3 meufs là qui me font peur, tu vois, genre... c'est comme des cibles à abattre, j'aime pas. Des proies, voilà, c'est ça, c'est comme des proies. Ah ouais, Lily? Ah, j'ai pas vu. Ouais, il y a un bot pour ça, faut faire gaffe avec les insultes. Bonsoir, monsieur. Un latte, s'il te plaît. Ça fera 370 yens. Ah ok, donc en gros, le gros monsieur, il avait pas assez pour payer son café. Et ce mec là derrière avec ses cheveux bizarres, il a dit je vais payer le reste. Mais, sois un bon samaritain. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Bonsoir, mesdemoiselles. À bientôt. Faites attention, hein. Putain, il est sympa. Il lui paye son café. Le stress de la pauvreté, pauvre gars. Ok. Voilà. Ok, il s'est posé. L'autre, il est parti. Il n'y a pas de camionnette dehors. Il n'y a pas de photographe. Tout se passe bien, les roses. Tout se passe bien. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonne soirée. Très bien, les roses. Ouais, le sucré m'écœure très facilement. Oula. Bustable. Ah putain. Ça y est, fin de journée, faut que je nettoie. Ah non, putain, je dois encore nettoyer les tables. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est moi ou la porte, elle s'est fermée toute seule, là. Ok, let's go. Tarari papa tarari papou parari papa parari papou. D'ailleurs les crocs, je tiens à vous le dire parce que c'est important que je vous le dise, on a atteint les 100 subs. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ma chaîne Twitch. Donc je voulais vous remercier pour ça. Voilà.
quelque chose de génial, donc merci. Oula, c'est quoi ce bruit? Oh, ce bruit de merde là? Me dis pas qu'il faut que j'aille dehors. Surtout, ne me dis pas qu'il faut que j'aille dehors, les gars. C'est derrière le magasin? Pff, vas-y, je prends mon balai au cas où. Salut, Jules! Bonne soirée à toi! Il est pas là. C'était ici, non? Ah, il y a une commande drive, lol. Regarde, on peut faire des commandes drive, trop bien. C'est bizarre ce bruit là par contre. Il y a personne, les crozes. Je vais vite retourner dans mon magasin. Eh, je suis sûr, on a fait le tour. Et il en a profité pour rentrer dans le magasin. Ça aurait totalement pu être son délire, ça. Il est plus là. Il est plus là. Je dois faire quoi, là? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fini de nettoyer les tables, ouais. Attends, putain, il y a un texte bizarre là sur le... Oh là là, il y a quelqu'un qui a laissé une lettre sur le panneau. Le jour où on s'est rencontrés, le jour de notre première rencontre, oui, Achillas, elle m'a souri, comme une fleur. Juste penser à elle rend mon cœur rempli de joie. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Je me demande si elle sourit autant aux gens qu'à moi quand on s'est vus. C'est le beau gosse. C'est le beau gosse, c'est sûr. Oh là là, le mec, c'est dire qu'il rôde autour du resto et il colle des lettres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est trop bien le jeu, les crozes, j'aime bien. Hein. Franchement, 10 sur 10. Hein. J'adore le jeu. Ah, on a sonné à ma porte. Alors là, par contre, attention. Ah. Oh non, putain, il sait où j'habite! Il sait où j'habite! Nous sommes amoureux. Aujourd'hui est son anniversaire. On a échangé nos numéros. Non mais c'est ça, c'est le BG, non? Bordel. Oh, il neige. Les crozes, il neige! Bon, pour moi, très clairement, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure qui nous a demandé notre numéro. Bon, attention, parce qu'ici, à chaque fois que je descends ici, il y a soit une meuf à poussette ou un psychopathe. Donc je fais gaffe. Attention, jumpscare. Non. Tout va bien. Ah, il neige! Ça sent le pervers narcissique à pleines dents. Ouais. Totalement. La camionnette, elle est toujours là-bas. On va checker vite fait. Il n'y a personne.
Allez, putain, j'ai tellement envie de démissionner, moi, j'en peux plus, hein. La voiture ne démarre pas. Je dois prendre le bus? Oh merde! Ma voiture, elle démarre pas, les crozes. Ah putain, elle fume! Dommage. Bon, on peut pas prendre la caisse. Faut que je prenne le bus. Alors, du coup, est-ce que c'est le mec qui a trafiqué ma voiture pour que j'aille prendre le bus? C'est probable, hein. On est à l'abri de rien. Je pense qu'il a saboté la voiture, ouais. On est en train de devenir parano, les crocs, c'est une dinguerie. On devient parano. Ok, on prend le bus, c'est bon. Let's go! Tu joues à ce jeu, tu sors plus jamais seul de la nuit. Ah non, non, non. Clairement, t'as plus confiance. Oula, il y a quelqu'un qui rentre. Sors, monsieur. Il y a quelqu'un derrière? Non, je crois qu'on est que deux dans le bus. Mon cœur, il bat vite, les crozes. Écoutez. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Retourne-toi, wesh! Monsieur le conducteur, il y a un gars qui me regarde bizarre devant, là. Fais gaffe à toi, gros. Dois descendre? Non? Si. Tu comprends pas tout, Lyon? Bah, c'est compréhensible, non? C'est quoi que tu comprends pas dans le jeu? Oula. What? Il y avait un mec au fond du bus qui me regardait? Je trouve que l'histoire du jeu, elle est simple, non? Genre, on travaille et bah, il y a plein de crimes dans la ville. Du coup, il y a plein de psychopathes qui rôdent. On sait pas qui c'est. On reçoit des messages bizarres. Enfin, on se fait harceler, quoi. J'ai envie de les défoncer, ceux qui agissent comme ça. T'es pas la seule. Alors, attends. C'est reparti. Donc, on a pris le bus. Il est où mon collègue? Y a pas mon collègue. Ok. Talk to Senpai. Elle est où Senpai? Senpai! Senpai! Oh putain! Ben mais le verrou, putain! Tu m'as fait super peur. Laisse-moi. Seul, quand je suis aux chiottes. Bordel. Va travailler. Oh, il y a un drive. Il y a un drive, les crozes. Je peux pas lui parler. Wow, t'es grand, toi. Il est immense, lui. Attends, c'est pas le mec. On a 4 commandes pour le monsieur. Et là, il y a un mec énorme là qui est arrivé. Un American Scone Caramel Coffee. Putain, j'ai la flemme, les gars, j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme. Il est où le American Scone Caramel Coffee? Je le vois pas. Il y est pas. C'est un gâteau? Ah oui, c'est un gâteau, putain, ok, cool. Caramel macchiato.
Eh, je suis devenu rapide, hein. Vous avez vu ça? En une heure de temps. En une heure de temps, les creusins. Hein. Par contre, lui là-bas, je crois que c'est le monsieur à qui on a donné le téléphone au début, qui était près de chez nous. Je crois que c'est lui, il a la même tête. Il a exactement la même tête. Il veut quoi du coup, ce con là? Rien? Juste tu me regardes, c'est ça? T'es chelou, mec. Il a rien pris, il s'est juste assis. Il s'est juste assis? Bah mec, ah, bonsoir madame. Faites gaffe, il y a un mec bizarre là-bas. Je prends votre commande. Allez-y. Attends, ouah, il est trop chelou lui. Oh là 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 là. Le mec, il a rien pris. C'est le premier client depuis le début du jeu qui vient dans le magasin et qui prend rien. Juste, il s'assoit, il nous regarde, il part. Quoi, la meuf me donne un... La meuf veut me vendre un truc qui chasse les esprits pour 3700 yens. Une malade, elle. Oh, elle me le donne. Attends. Allez, hop. Allez, poubelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un green tea late. American Waffle. Hop. Tenez, ma petite dame. Ok. Et elle veut un green tea latte. Green tea latte. Vanilla sirop, lait écrémé, matcha poudre. Ok. Vous allez bien, madame? Tout s'est bien passé aujourd'hui, votre journée, oui? Vous avez l'air souriante, en tout cas. Vous avez un joli sourire. Ok, c'était quoi qu'il y avait dedans, là? Vanilla... Merde, j'ai mis du café. Je crois que je me suis planté, attends. Merde. J'arrive plus à réfléchir, c'est un truc de fou. Non, c'est bon. Vanilla sirop et matcha powder. Vanilla sirop et matcha powder. Ok, c'est bon. Tenez, ma petite dame. Se faire klaxonner, ouais, ça c'est chiant aussi. Hein. Nous, on n'a pas ce problème là, les mecs, putain, mais... Oh, ça doit être un enfer. Quel professionnalisme. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Les crosses, le live est fluide ou pas? C'est fluide là? J'ai pas l'impression que c'est super fluide sur le... Si? Ou alors c'est moi qui me fais des films? Bah. Bonsoir, mademoiselle. Pas de soucis? Ok. Vous êtes super belle. Est-ce que vous êtes modèle, un truc comme ça? Non, rien de tout ça. Quel gâchis, je suis désolé, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose, t'es trop belle. Est-ce que ça te dirait de venir dans mon bureau? Donne-moi ton numéro. Je ne fais pas trop ce genre de choses. Ok. Pas grave si tu le regrettes. Ah, en gros, c'est une recruteuse de modèles
Elle trouve qu'on est super jolie et elle veut nous recruter. C'est gentil ça. Office Milk. Elle est gentille, elle. J'espère que c'est ma dernière journée, j'ai jamais fait autant de café de ma vie, les gros, j'en peux plus. Sale tête, caramel, mocha. Caramel sirop, azélute sirop, chocolat sauce. Caramel sirop, azélute sirop. Et le dernier, c'était... chocolate sauce. On est bon. Au revoir. Désolé, hein, j'ai... je fais pas de modélisme, moi. La musique, elle m'angoisse. On peut pas la couper, la musique. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est qui, lui? Oh là là, monsieur, votre t-shirt, monsieur. Pardon? Continuez pas de danser comme ça. Je vais passer au-dessus du bureau. Je vais... Calmez-vous, monsieur. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Pouf! C'est quoi ce délire, les crozes? Eh hey, hey, il fait super chaud aujourd'hui! Je veux un chilapuccino caramel! Excusez-moi, monsieur, cool de... est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre quelque chose sur vous? Et arrêter cette mise en scène? Oh, ça va pas être long! Code pénal, article 174, tu t'arrêtes de te foutre à poil. Qu'est-ce que c'est que ce cassos? Qu'est-ce que c'est que ce délire? La drogue, c'est mal, monsieur. Hein. Arrêtez, hein. Mais c'est un malade, lui. Qu'est-ce qu'il foutait, là? C'est un fou, ça. C'est un fou. Moi, je... non. Moi, je sers pas ces gens-là. Hein. Clean the toilet and... ok, faut que je nettoie les chiottes. Ah, faut que je remette ça encore. Nettoyage de chiottes. Au revoir, monsieur drogué. Je sais pas ce qu'il a fumé, lui, mais... toilette par peur, run out. C'est-à-dire quoi? Toilette par peur, run out. Bon, on va aller mettre les poubelles. La 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 la. Ok. Il faut que je remplace le papier toilette, je crois, mais... je sais pas comment faire ça. Ferme, ferme, ferme. Toilette paper run out. Où est-ce qu'ils sont, les papiers toilettes? Ah là, le PQ! Il y avait plus de PQ. C'est important, le PQ. Hop. Nickel chrome. J'ai fini. Oh non, 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 non. Oh putain, oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 47. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 oh. Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. C'est qui ça? Monsieur? Monsieur, on est fermé, monsieur. J'ai une 33 latée. Putain, j'ai une 33 pour le servir. Merde. Il veut du lait.
Monsieur? Putain! Il veut un latte, bordel! Je vais me planter. Je vais me planter sur la fin. Là, ça me stresse, ça y est. C'est quoi un latte déjà? Merde, c'est fermé! Putain, je peux plus voir là! C'est quoi un latte déjà? Il y a du café dans un latte? Dans le doute. Il y a un café dans un latte ou pas? Putain, je suis perdu. Ok, c'est bon. What? Il y en a deux? Pourquoi? Il y a une autre commande. Les crocs, il reste 40 secondes! Latte. Ah! Putain! Les crocs, c'est chaud! Oh putain. 20, 22 secondes. Oh putain, non. Je suis mort. Quoi? Deux commandes? Trois commandes? C'est impossible. Les gars, il me reste 10 secondes. Attends, on va voir ce qui va se passer. Je peux pas faire 3 lattés en 10 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un rêve? Peut-être un... Attendez, on est à la fin, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux pas remettre le courant. Ah, je suis en... Non, je suis enfermé, là. Les crocs vont m'enfermer dans le local. Oh, putain. Oh, c'est un rêve. Oh, c'est un rêve. Il nous habitue trop aux rêves dans ces jeux-là. À chaque fois, on rêve d'un truc chelou. Oh, c'était un rêve. Je crois qu'on commence à psychoter. Putain, il y a encore le taré qui nous regarde. C'est chaud. Hein. Ouais, en fait on devient parano tellement il se passe des dingueries. Bon. Il est long le jeu, je pensais qu'il était plus court que ça. C'est quoi ça? Ah, c'est de la neige, ok. Je croyais que c'était des corps. Il y a des bruits de pas là. C'est quoi? Les crocs, il y a des bruits de pas là, non? Il y a des bruits de pas. Je fuis. Ma voiture, elle est réparée? Ouais, c'est bon. Il y avait des bruits de pas juste derrière moi. C'est quoi ce bruit bizarre? Quelle est ma mission? What is the mission? Ah! Ah, le détective, monsieur! Ah, je vous aime bien, vous. Mes suspicions étaient vraies. Je suis content que vous m'ayez contacté. Ah, on a contacté le shérif. Enfin, l'investigateur. Appeler la police n'aidera pas. Ok, c'est un inspecteur, quoi. Je vais faire le tour du restaurant pour voir si je trouve quelque chose. Parfait, mec. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Ouais, quelqu'un me suivait. Bon. L'inspecteur, il fait le tour, les crocs. Il est là, regardez. Je crois qu'il va faire le tour du resto.
Bonsoir. Putain, va falloir resservir des... J'en peux plus de servir des cafés, les crozes. J'en peux plus. Quoi? Il y a quelqu'un dehors qui prend des photos? Il prend des photos du magasin? Oulô. Oulolo. Ok. Oh là là, mais non, mais il y a trop de commandes, les gars. Ah non, je crois que les lattés, on n'est plus obligé de les faire. Les lattés, c'était pour les... On doit pas les faire, les lattés, je crois. Attends, est-ce qu'on peut les mettre à la poubelle? Je crois qu'on doit pas les faire. J'en peux plus de faire des cafés. Je vous le dis, chocolate, chip, chila, puccino. J'en peux plus. Café, lait... J'en peux plus. Lait, sauce chocolat et cacao. Cacao. Lait, sauce chocolat et poudre de cacao. Ok, de 1. C'est ce soir qu'il va y avoir une dinguerie. C'est sûr, c'est le dernier soir. Là, on est à la fin, je crois. Je crois qu'on est à la fin. Saltette, caramel, mocha. Saltette, caramel, mocha. Café, lait crémé. Café, lait crémé. Saltette caramel. Caramel sirop, hazelnut sirop, chocolat sauce. Ok, on est bon. C'est bon? Au revoir, mesdames! J'en peux plus de ce taf, ça fait 5 jours, j'ai envie de... J'ai envie de démissionner, les crozes, je vous le dis. 5 jours de trop. Boire un café, oui, le faire, non. C'est ça. Attends, il est où le détective, là? Il a fait le tour ou pas? Putain. Oh non, il y a la meuf avec la poussette! La meuf qu'on déteste. Il y a la meuf avec la poussette, les crozes, elle est là. Oh là là, alors elle, je vais lui cracher dans son verre. Je vais lui cracher dans son verre. Qu'est-ce qu'elle veut? Saltette, caramel, mocha. Ah bah c'est celui qu'on vient de faire, ok. Elle pleure? Je crois qu'elle pleure. C'est parce qu'on lui a dit que son bébé, il était moche, non? Elle est en train de pleurer, les crozes. Ouais, elle pleure. Faut pas pleurer, madame. Il est pas si moche, votre bébé. Au revoir. C'est la femme de Satan et le petit, c'est Satan déguisé. Il n'y a plus de bébé dans la poussette. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je pense que si, non? Ok. C'est quoi cette musique des enfers qu'ils nous ont mis là?
c'est un fake bébé. Il n'y avait pas le bébé dans la poussette? Vous êtes sûr de ça? Bonsoir, je vous ai déjà vu, vous, non? C'est étrange. Madame? Oh, je suis désolé. Donnez-moi comme d'habitude. Oh, vas-y, putain! Les crozes, il y a trop de trucs. Sweet red bean and butter bread, ça c'est là-dedans. J'en peux plus de servir des gens. Elle casse la tête. Alors. Sale tête, caramel, mocha. Je crois que c'est la dernière. Coffee, c'est Mick. Encore un sale tête, caramel, mocha. Putain, mais les gars... Un truc de ouf. Je le connais par cœur celui-là. C'est celui que j'ai le plus fait. Hop. Et un caramel macchiato. Caramel sauce caramel. Ok, facile. Facile. Et voilà. Ça fera 50$. Ok, c'est bon. Hey! Est-ce que vous êtes en train de réparer l'antenne à 7h? L'antenne du magasin? L'antenne? Non, madame. Pourquoi? J'ai vu quelqu'un sur le toit. What? What? Y a quelqu'un sur le toit? Va falloir aller checker. C'est peut-être le détective, hein. Peut-être qu'il fait le tour du toit, hein. Il y a quelqu'un sur le toit? Ça pourrait être, voilà, ça pourrait être l'inspecteur. Peut-être que je dois aller voir. Ok. Les grosses, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir le... Ah, ça y est. Je peux pas y aller ? Ah, voilà. Use the ladder and check the roof. Alors j'ai vu qu'il y avait une échelle ici. Hop. Ok, on va aller sur le toit. J'espère que c'est l'inspecteur et que c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que là ça craint. Alors, où est-ce qu'on la fout l'échelle? Là? Ah voilà. Alors soit c'est l'inspecteur, soit c'est le zinzin. Le zinzin de l'espace, hein. Y'a personne ? Je peux pas y aller, je peux pas sauter. Tu peux bosser dans un café maintenant, t'es rodé. Je vois rien, les crozes, hein. On va redescendre. J'ai rien vu. Je dois fermer le magasin. Attends, il y a quelqu'un là? C'est quoi ce délire? Attendez, il y a quelqu'un qui vivait là? Putain, il y a des photos? Non! Il y avait... Quoi?
quoi? Il y avait un mec qui vivait dans le magasin là avec nos photos? Quelqu'un qui squatte? Non. Les crocs, c'est quoi cette dinguerie? Mais ouais. Oh, il y avait quelqu'un qui était juste là pendant tout ce temps. Ok, vite. C'est quoi ça? Close the store. Qu'est-ce que je dois... Pourquoi je prends tout ça? Attends, je sais même pas ce que je fais là. Close the store 0 sur 16. Get money. Je dois prendre toutes les pâtisseries ou quoi? Faut tout prendre, fermer et partir. Ah. Ah, faut que je jette tout. Ok, faut que je jette tout. Putain, le gaspillage poussé à l'extrême. Bon, ça on va le garder quand même. On va pas acheter la thune, Nécrozin. Ok, faut se dépêcher, je crois. Count product. Count. Ah oui, avec la avec ça. Ok, donc là on a appris qu'il y avait un squatter juste derrière notre magasin avec des photos de nous. À peine glauque, hein. Je vous le dis, à peine glauque le bordel. C'est tout? Pourquoi 15 sur 16? La thune, je dois la mettre où la thune? Close the store 15. Je dois mettre où l'argent? Là? Ok, c'est bon. Flip the scene to close it. Ah, faut que j'aille fermer la porte. Ouais, c'est important là, parce que vu le... Allez hop! Ah, oh sa mère, c'est pas vrai. C'était le grand. C'était le grand qui était là-bas. Qui avait rien pris. Monsieur? Bon, heureusement qu'on a fermé à clé, il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir par derrière. Et je prends ma caisse rapidement. Ah, putain de merde! Ok, la technique du je cours vers ma voiture ne fonctionne pas. Oula, le jeu il s'est remis en moche, attendez. Bon, comment on va faire les crozes? Comment on va faire pour sortir? Mais attends, le détective il est où? Il est où le détective? Dans tous les cas, faut que je sorte, non? Attends, comment je peux faire, là? Mon téléphone. Où est mon téléphone? Merde, il a pris le téléphone! Putain, je peux même pas appeler quelqu'un! Ah, il est plus là. Il est plus là. Et Rose, qu'est-ce que je fais? Essaie de remonter sur le toit. Oh, il y a un tournevis. Ah, putain, ok. Ok, j'ai un tournevis. Donc, je peux peut-être le planter. On a une arme. Le problème, c'est il est où? Oh, putain, le merde. Mais attends, on peut pas sortir, c'est pas possible. On peut pas sortir du magasin. À chaque fois, il nous voit. On peut se cacher dans les casiers. Non, on peut pas, Sarah.
Ah putain, c'est chiant, à chaque fois je dois régler le... Ça, c'est relou ça. Bon, faut éviter de mourir. Quel enfer. Je vais prendre le... Ça, je vais prendre ça. Ça, il me le faut dans tous les cas. Par contre, comment je fais pour sortir? Si le mec, il me chope dès le début. Faut le planter par derrière. Essaie de remonter sur le toit. Ouais, mais le problème, c'est que... Ah, ok. Alors attends, parce que... Le problème, les crocs, c'est qu'à chaque fois que je sors, il me chope. Peut-être qu'il va passer, non? Attends, j'en sais rien. Ok, on a l'esca, on a le l'échelle et le machin. Putain! Non, on peut pas sortir! Les crocs, on peut vraiment pas sortir. Tu peux pas monter par l'intérieur. Ah! Oui! Ouais, les crocs, monter par l'intérieur, je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut, exactement. Bien vu, vous êtes très intelligent. Je pense que on peut monter de l'intérieur. Let's go. Ah oui, vous avez raison, je crois que c'est ça. Je prends quand même le tournevis, hein. Pas déconner. Ok, alors c'est où du coup? Elle est où la trappe? Elle est là. Non, je peux pas. Oh, les gros, je peux pas. C'était où? C'était là, non? Je peux pas. C'était là, je crois, je peux pas. Ah, attendez. Si, 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 si! Oh putain! Je peux! Ok, on est bon. Bon, là, logiquement, c'est bon. Ah ouais. Mais le détective, il est où? Les crosses de détective? Je dois faire quoi avec cette brique? Pourquoi j'ai pris une brique? Oh! Le détective, il est mort! Il a buté le détective, putain! Oh, il est là! Tiens, dans ta gueule! Ok, il est tombé. On va le planter, on va le planter! On va le planter, Michel! Allez! Dépêche-toi, je peux pas bouger! On l'a assommé. Bon, l'inspecteur, il est mort par contre. J'ai tué un homme. J'ai pris la brique et je l'ai balancé à la gueule. Si je ne le faisais pas, il allait me tuer. Cet homme paraissait terrifiant. Je ne le connaissais même pas. Pourquoi il a fait ça? Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas le tuer. J'avais peur. J'ai couru à la police. J'ai dit à la police tout ce qui s'est passé. Et la police m'a dit de retourner à la scène. Hey, le gars n'était plus là! La police m'a ramené à la maison. Et on est retourné. Attends, 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 le mec a disparu. Le mec, ils sont revenus sur la scène avec les flics. Il était plus là. Bah attends, c'est grave. Il est pas mort. Et il sait où j'habite? Oh, les jeux de Chillaz Art, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Le câble ne va plus. Je devrais appeler. Oh non. Je le sens tellement pas, les roses. C'est pas fini. L'antenne. Où est mon téléphone? Non, 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 non. Oh non. Il est là.
Oh, il est là. Je crois qu'il est près de la camionnette. Non, 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 non! Mon téléphone, il est dehors près de la camionnette. Bon, les crosses, c'était un plaisir. C'est un plaisir, voilà. On vit les derniers instants de cette serveuse de café. Je crois que c'est la fin pour elle. Ouais, adieu là. Je crois que c'est adieu. Hein. Ah, j'ai toujours mon tournevis. Les creuses, j'ai toujours mon tournevis. Je peux toujours m'en servir, ça c'est cool. Putain, c'est pas fini, le gars il est venu. Mais c'était sûr, hein. Ils l'ont pas retrouvé sur la scène. Il sait où on vit. Il devait arriver, c'était certain. C'était certain, putain de merde. Allez, on remonte. Où est-ce qu'on vit, nous? Je sais même plus. C'est au troisième? Ouais, il est rentré. Il est peut-être rentré dans l'appart, hein. Le temps qu'on aille chercher le téléphone. Même sûr, putain. Je me mets accroupi. Je le sens pas du tout. Derrière l'armoire, là, 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 meuf, retourne-toi. Oh, cette fin de zinzin, non, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Il avait l'adresse. C'est une fin logique en soi. Oh, c'est horrible. Il l'a tué. Oh la vache. Il est intelligent, hein. Il a pris le téléphone de la meuf au travail, il l'a mis en bas pour qu'elle aille le chercher pendant que lui va dans l'appart et la tue. Enfin, on sait pas ce qui lui est arrivé, mais à mon avis, c'est quelque chose de pas très cool. Bon. Je sais pas si on pouvait la sauver, Mansigna. Vous avez kiffé le jeu ou pas? Ça vous a plu? Pour moi, je pense, hein, qu'il fait partie de mes préférés. Des 4 qu'on a fait, je crois il est numéro 1. J'ai trop bien aimé. Des gros bisous, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir été là. À demain les creuses. Ciao ciao! Bisous les creuses, à demain. Merci à tous. C'était trop bien. À demain.